Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'en ai déjà salué certains d'entre vous en ligne. Je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre pour notre cinquième séance d'atelier d'écriture en latin. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et n'hésitez évidemment pas à réagir dans le chat. Nous prendrons tous vos commentaires en compte, dans la mesure du possible, évidemment. Pour rappel, nous sommes donc, pour ma part, professeur agrégé de lettres classiques, en compagnie d'Orient, qui représente la vie des classiques, la belle pédagogique des belles-lettres, et alors en temps normal, de plusieurs étudiants de l'Université de Lyon-Saint-Étienne, mais aujourd'hui en effectif réduit. Nous allons quand même, malgré tout, avancer dans la rédaction de notre volume des petits latins sur Eros et Psyché. Précédemment, nous avons terminé l'écriture de notre prologue. Nous allons nous replonger dedans parce que, comme vous, nous avons pris des vacances et nous avons potentiellement peut-être un petit peu oublié ce dont il était question. Donc, c'est bien de se remettre dedans. Au programme d'aujourd'hui, donc, en ce qui concerne notre prologue au conte d'Eros et Psyché, que nous avons rédigé à la fois en bilingue et en unilingue sur le principe des petits latins de la collection La vie des classiques des belles-lettres. Nous allons nous intéresser à la mise en forme unilingue du texte, c'est-à-dire que nous allons sélectionner les mots de vocabulaire qui seront indiqués à la suite du texte en version unilingue, en même temps qu'à un point étymologique, et nous sélectionnerons un point de grammaire qui pourra être abordé pour les étudiantes et les étudiants afin de les guider dans leur lecture du conte. Une fois cela fait, nous livrerons un enrichissement peut-être plutôt littéraire, d'après ce que nous avions convenu entre nous, au sein de la partie, cette fois bilingue, et nous vous invitons évidemment à participer, vous aussi, par le chat, à nous donner vos suggestions, à nous suggérer certaines précisions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Bref, nous sommes ouverts à toute intervention. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je crois que j'ai fait le point. Est-ce que j'ai oublié des choses d'après vous, Dorian, Clara, des choses à rajouter? Non, c'est bon, j'ai tout dit. Bon, très bien. Alors, ce que je propose, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que nous relisions peut-être ce que nous avons fait pour nous remettre les choses en tête, et à partir de là, on sélectionnera peut-être les mots de vocabulaire qui nous semblent pertinents à indiquer, et peut-être les termes sur lesquels on pourra faire un petit travail étymologique pour la partie unilingue. On fait comme ça? Ouais, ok. Est-ce que peut-être Dorian, Clara, vous pouvez chacun alterner la lecture par exemple, Dorian, vous lisez la phrase 1 et sa traduction, Clara, la phrase 2, comme ça on se remet tout bien en tête. D'accord. C'est Ok, parti. bon, alors c'est parti, nous vous écoutons. Erant olim in quadam civitate, rex et regina. Il était une fois dans une cité un roi et une reine. Aec urbs dives fecundorum agrorum et mirabilium aedificationum et multi auri erat. Cette cité était riche de terres fertiles, de somptueux bâtiments et de beaucoup d'or. Regi reginaeque erant tres filiae. Le roi et la reine avaient trois filles. Poeta quidam nobis fertearum nomina psychen, agloron cudipendeque fuisse attenti quitantum noverunt minimae natunomen psychen. Un poète nous rapporte qu'elle s'appelait Psyché, Aglore et Sidipe, mais les anciens ne connaissaient que le nom de la plus jeune Psyché. Atque duae maiores iam senes reges duxerant. Et les deux aînés avaient déjà épousé des vieux rois. Natu autem minimam filiam multitudo procorum qui illam ducendam extremis et finibus venerant petebat. Quant à la plus jeune fille, une foule de prétendants venus de terres lointaines pour l'épouser la réclamait. Illa enim omnes virgines venustate superabat, quae parentes superbos beatosque faciebat. En effet, elle dépassait toutes les jeunes filles par sa beauté, qui rendait ses parents fiers et heureux. Ok, merci beaucoup pour la lecture. Dorian, vous n'étiez pas là la dernière fois. Est-ce que potentiellement, avant qu'on reprenne, vous avez des suggestions, des choses que vous souhaiteriez modifier, des réactions
à apporter. Ce n'est pas pour insister sur le fait que vous n'étiez pas là la dernière fois, c'est plus pour, comment dire, par avis D'avoir d'un œil consultatif. extérieur, oui. Non, rien de particulier, si ce n'est qu'en relisant, je m'étais demandé dans la mesure où là on utilise Kiwitas et la Oops, si on traduisait deux fois par cité ou si on induisait si on mettait une nuance. Cette Eh ville ben, ou vous voulez qu'on mette cette ville? Dans le deuxième, on peut mettre cette ville, hein. c'était surtout par rapport au latin et à l'aspect pédagogique. On peut dire que ce, on peut tout à fait dire que ce sont des synonymes et mettre cité pour les deux. Enfin, Sais pas quoi vous ils sont répondre. synonymes, mais c'est par rapport juste à la traduction en français. Ouais. Non, mais c'est quand même toujours bien de faire une différence dans la traduction entre deux mots, quoi, parce que les réalités sont pas tout à fait équivalentes non plus. Enfin, on dit toujours qu'il n'y a pas véritablement de synonyme. Kiwitas, c'est vraiment la cité, l'État. Je regarde en même temps dans mon gaffio. Et pour ce qui est de Ourbs, on est sur, ouais, ville avec enceinte, la ville de Rome. Moi, c'est pour ça que je vous propose ville pour Urbs. Au moins, ça montre bien qu'il y a une réalité différente. Parce que finalement, dans Civitas, on est peut-être plus dans l'organisation politique, alors qu'avec Urbs, on est peut-être plus sur l'organisation géographique, topologique. D'accord. Je pense. Enfin, je sais pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, mais je pense que j'ai raison. Je vous suis. Bon, très bien. Non, mais vous avez raison, bonne remarque, Dorian. Alors, capitaine D'Artagnan nous dit Ourbs égale ville étendue, agglomération. Je sais pas. Parce que l'Ourbs, c'est vraiment la ville avec son enceinte, donc je ne sais pas si j'irai jusqu'à agglomération pour Ourbs. Après, je pense qu'on est vraiment en train de pinailler, mais enfin, finalement, l'Ourbs Roma, elle se termine à son mur d'enceinte, donc c'est-à-dire que les petites bourgades alentour font pas partie de l'Ourbs. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ah, c'est bon, elle est d'accord avec moi, on est bon. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la première phrase et on se dit ce qu'on verrait bien indiqué dans un vocabulaire et Dorian, vous faites le voc en dessous? Allez. Ouais. Alors, Clara, qu'est-ce que vous pensez bon d'indiquer dans la partie unilingue du vocabulaire pour des lecteurs moins chevronnés que vous, nous Bien justement, qui oui tâté. Alors, ouais, ok. Donc, c'est Civitas, Civitatis féminin, je pense. Et donc, effectivement, on peut mettre la cité. Alors, est-ce que ça, on le met vraiment dans la partie vocabulaire ou est-ce qu'on ne le mettrait pas plutôt dans la partie étymologie? Parce que finalement, dans Civitas, on retrouve l'étymologie du mot cité. Ah oui, il y aura une partie étymologie aussi, d'accord. Donc peut-être qu'on peut mettre civitas atis féminin. Et je ne sais plus comment on fait dans les petits latins, Dorian, pour indiquer l'étymologie, mais moi, l'étymologie, en général, je mets une flèche et pas deux Je points. peux partager votre petit latin. On a voilà à Ah, chaque fois donc une partie vocabulaire, donc avec simplement Ouais. le nom, éventuellement les temps primitifs pour les verbes, le génitif, pour les noms et les différents genres pour les adjectifs. Et après, une partie étymologique où finalement le sens est attiré. On ne dit pas spécifiquement ad loquor signifie ça, mais ad loquor a donné ça en français, donc pour en déduire le sens. Ok, et eh ben alors on peut faire la même chose, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on ne donnera pas cité, mais qu'on va donner d'autres mots qui ont rapport, genre civilité, vous voyez, ou civil. J'en profite, je vous laisse réfléchir 2 secondes à d'autres termes finalement qui ont découlé de Kiwitas. Et je vois qu'on a un message sur le chat donc de Valentinus, prononçons-le en latin, qui nous écrit Pro aedificatio dicam aedificium melius mea sententia. Alors, donc,
Tatata, Dans la phrase 2. c'est dans la phrase 2. Alors, je propose de vérifier dans le gaffio. Et Dorian, je vous propose de répondre à Capitaine D'Artagnan qui propose, enfin, qui fait une proposition. Ah, Ah, mais qui a enlevé sa proposition. Elle avait proposé citoyen. Qu'est-ce que vous en pensez? pour Kiwitas, enfin pour Ouais. Oui. c'est un petit peu loin, je dirais étymologiquement. Je suis pas capable en live de vous expliquer comment on arrive de Kiwitas à citoyen, mais en tout cas, la racine, oui, elle disparaît pas comme ça, et il y a un autre état pour y arriver. Donc, je pense qu'on va pas prendre la proposition parce que la flexion, elle est un peu éloignée, et il faut qu'on garde le oui dans Kiwitas qu'on retrouve dans civil, civilité. Donc, bref, j'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, Edificium. C'est qui qui avait ça Édifice, dire bâtiment en général. Et nous, on avait proposé Aedificatio. Je pense qu'on va garder Aedificatio. Je vous remercie de votre proposition, mais en fait, Aedificatio, on a vraiment le sens d'édifice employé plusieurs fois chez Cicéron. Alors que pour ce qui est de l'Aedificium, on est également sur édifice, bâtiment en général, mais on n'a pas la citation d'occurrence précise, ce qui m'embête un peu. Et pour Aedificatio, il y a également des occurrences chez Vitruve, et dans la mesure où c'est quand même lui qui fait les grands traités de bâtiments, ça me semble plus approprié. Et oui, vous avez raison, capitaine D'Artagnan, vous avez bien fait de retirer citoyen, parce que c'est vrai que c'est pas transparent. C'est ce que je disais, il y a une flexion que il faudrait que je vérifie, hein, je ne connais pas mes flexions en linguistique par cœur, mais on est sur une simplification. Qui remonte à je ne saurais dater quand, mais on n'est pas effectivement sur un mot transparent qu'on pourrait comprendre en termes d'étymologie. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, rien à ajouter. Alors, Clara, vous nous avez donc éclairé sur Kiwitate. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait indiquer d'autres mots dans la partie vocabulaire, dans la partie étymologie? Donc Rex et Regina aussi. Alors, vous les mettriez dans étymologie ou dans vocabulaire? Non, plutôt dans vocabulaire. Plutôt dans vocabulaire. Est-ce que vous êtes d'accord, Dorian? C'est une possibilité. Mais on peut aussi les mettre dans l'étymologie en mettant Vous en pensez à français, tous quoi? les termes régence, régent, sur Ouais, moi quel qui est vraiment le je latin, pense que. parce qu'après roi, royal, etc., il y a tout le passage à l'ancien français. Oui, mais on a un autre mot en français dans lequel on retrouve vraiment règle. On parle du pouvoir règle. Régalien. Oui, donc je pense qu'avec régalien, régir, régence, on peut mettre rex, régis masculin et regina, reginae féminin. Ça me semble pas tout à fait incongru. Je vois, Dorian, que vous avez un petit. Une petite fenêtre pop-up qui vous nuit actuellement. Hop. Ah, c'est bon. Donc voilà, Rex et Regina. Et donc, régalien, régence, régir. Ce règle-là, il existe en grec aussi, mais je pense qu'on va pas, on va pas dé, enfin, on va pas trop dévier sur le grec, mais on le retrouve aussi en grec. Je pense que orego, notamment, en grec, a à voir avec exactement la même racine. Est-ce qu'on a d'autres choses à indiquer, vous pensez, dans cette phrase? Non, on peut peut-être passer à la 2. J'ose croire Donc que le finalement, quadam, pas de le vocabulaire, quidam peut être. essentiellement de l'étymologie. Vous voulez qu'on indique quadam, Dorian? Je me demandais juste, mais après, ça dépend du niveau et du public du pilate en question. Mais oui. Non, mais on peut, hein. Mais dans ce cas-là, dans vocabulaire, peut-être. Oui.
Mais après, ça donnait quelque chose. Enfin, un quidam, c'est quelque chose qu'on, c'est une expression en français. Oui, c'est vrai. Remarquez. Oui. Bah alors, vous voulez qu'on le mette dans l'étymologie? La chose, c'est que par rapport à l'étymologie, ça n'a pas donné de mots à proprement parler en français, si ce n'est qu'on a repris le mot latin et qu'il est intégré dans une expression. Oui. Je ne sais pas comment on peut Bon, bah, faire. mettons-le dans le vocabulaire, ça évite peut-être des explications. C'est peut-être plus simple. 2D, voilà, c'est bien. Quelqu'un, quelqu'une, comment on le... Ouais, mettez entre parenthèses E. Un certain... Ah oui. Oui, c'est bien comme ça. Ok, allez, phrase 2. Olim, on l'indique pas? Pardon, je reviens à la phrase 1, excusez-moi. Olim, on l'indique pas? Alors, il y a Walentinus qui nous demande si on dirait pas plutôt quidam, quaedam, quodam. Bah, alors là, c'est vrai que comme on le. C'est la Enfin question que bon. je vais déposer. Que dit le Et ben en Gaffieux? fait, Gaffio, il dit quidam, mais parce qu'il est pronom quand on dit quidam, alors que si on dit quodam, Objectif. il est adjectif. Oui. Mais vu qu'on vient d'indiquer quelqu'un incertain, là, en fait, on est sur l'indication pronom. Alors que si on dit quodam, on est sur l'indication adjectif, enfin adjectif déterminant. Nous, dans notre texte, c'est vrai que il est déterminant adjectif puisqu'il est accordé avec kiwitate. Mais d'un autre côté, enfin, comment dire, il a sa nature avant d'être déterminant adjectif, c'est d'être pronom. Et je ne vois pas comment on peut l'indiquer comme adjectif, enfin, je vois pas quelle indication on peut mettre parce qu'il passe nécessairement par le stade pronom. Donc je pense qu'on le laisse comme ça. À la limite, on verra si on le réemploie une autre fois, si on met pas un point de grammaire dessus en expliquant qu'il peut être tantôt pronom, tantôt adjectif et qu'il a une déclinaison spécifique. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Et on va peut-être effectivement s'arrêter sur la forme de Gaffio. Après Gaffio, mais j'ai regardé un hein, quidam et quodam. Il donne les deux. Hein, si tant est qu'il est pronom ou adjectif. Voilà. Mais le souci, c'est, enfin moi, mon souci personnel, c'est qu'est-ce qu'on indique en face comme traduction si on opte pour la forme adjectivale? Et j'ai pas la réponse. Parce que quelqu'un incertain, en sachant que nous, dans notre traduction, on l'a quasiment pas traduit tellement il est faible, je pense qu'on peut laisser comme ça et que c'est pas dramatique. Okay. Alors pour Olim, on met jadis, et après on verra, on laissera aux gens potentiellement la possibilité de comprendre comment on arrive à il était une fois. Jadis Ouais, ou ça vous va? si on peut mettre aussi autrefois, ça on est plus proche. Ouais, très bien. Très bien, autrefois. Ok. Super. Alors, on va enfin passer à la phrase 2. Vocabulaire, étymologie. Bien. Alors, Clara, vous nous dites ce qu'on met? Alors, donc ours, alors, voyons, est-ce que c'est plutôt dans l'étymologie ou dans le vocabulaire? Plutôt dans le vocabulaire? Vous pensez? Moi, je le mettrais dans l'étymologie parce qu'il y a quand même pas mal de mots qui viennent de là. On va. Alors, L'étymologie. réfléchissez lesquels, Clara? Urbain. Ouais. Urbanisme. Oui. Très bien, urbain, urbanisme. Le prénom urbain, hein, Ouais. comme le pape, par exemple, qui Ouais. vient de là. Dorian, d'autres idées? Pas Non, spécialement. moi non plus. Alors, Clara, d'autres mots qu'on repère? D.O.S. Ok. Oui, moi aussi, je le mettrai dans le vocabulaire.
On a des propositions pour ourbs, urbanité notamment aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, Dorian, je vois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, dit West, dit Witis. On se rappelle hein, que c'est qui fait partie de ce tout petit groupe, de cette espèce de club VIP d'adjectifs de la deuxième classe qui change de déclinaison, enfin pas de déclinaison, pardon, de radical entre le nominatif et le génitif, et que c'est pour ça qu'on l'indique di West, di Witis, et non comme les autres, omnis, omne, ou en indiquant ses formes aux différents genres. Donc di West, di Witis, riche, riche, opulent, très bien. Clara, d'autres indications? Agro-room, la guerre, le champ. Ok, étymologie ou vocabulaire? Plutôt étymologie, parce qu'il y a agricole, agriculture. Ouais, très bien. Voilà, ça y Alors est, je commence à allons-y. comprendre le principe. Parfait. Pourquoi Dorian, des fois, vous indiquez entièrement la forme et des fois, vous ne l'indiquez pas entièrement? C'est juste parce que je vérifie en même temps en gaffio pour être sûr de ne pas écrire de bêtises. Ah, aguerre agri masculin. Ouais, c'est le genre que j'avais, j'étais pas sûr. Ok. Peut-être que vous pouvez écrire la forme complète au lieu de X. Peut-être que vous pouvez écrire agri pour bien rappeler qu'il y a une. Ouais. Est-ce que c'est un processus de crase? J'aurais tendance à dire que oui. En tout cas, qu'elle a dit que le E tombe et qu'il y a contraction. Donc agricole, agriculture, très bien. Que je vérifie Clara, l'engagement, c'est bon. Ouais. comment? Donc c'est ce que je vérifie l'engagement justement, mais ouais. Ok. Clara, d'autres mots qu'on repère? Eh bien, aedificationum. Je ne sais pas si je l'indiquerai, moi. Je trouve Non, c'est bien. qu'on comprend. Enfin, je ne sais pas. Oui, Dorian, c'est qu'en pensez-vous? transparent. Je trouve qu'il est assez transparent. Ouais, je trouve que c'est bien de faire réfléchir un peu aussi le lecteur. Et là, bon. Sachant que tout est construit pareil, à savoir qu'on a tout un groupe au génitif, je me dis, bon, ils peuvent comprendre. D'accord. Donc multi. Ok, Clara, d'autres suggestions? Multi. Vous croyez? Non. Je sais pas. Je peux Non, comprendre pourquoi, parce qu'en ouais. plus, sur le plan étymologique, c'est vrai qu'on a plusieurs choses qui peuvent nous venir à l'esprit. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est quand même un terme qu'on apprend au début quand on fait du latin. Dorian, qu'est-ce que vous en pensez? J'ose croire que c'est pas nécessaire. Ok, donc on ne met pas multi. Et auri, on le met ou pas? Oui, pour le coup, je pense que oui. Ok, aurum i neutre, je pense. Enfin, je dis je pense, mais je suis à peu près sûr de moi. Oui, j'ai vérifié dans le gaffio. Alors, qu'est-ce que vous avez en... Ah, mais vous le mettez dans le vocabulaire? Moi, je pensais étymologie. Mais c'est vrai que je pensais à des trucs comme... Non, non, mais faites, n'allez pas trop vite en besogne. Moi, je pensais peut-être à des choses comme aurifère, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile. Donc, peut-être qu'on va le laisser comme ça. On va effectivement le mettre dans le vocabulaire, c'est plus sage. Ok, peut-être qu'on a fait le tour sur les mots et qu'on peut passer à la phrase 3. Ouais, c'est bon pour vous? Très bien. Clara, c'est à vous. Filiae. Oui, si vous voulez, on met en étymologie, peut-être. Sinon, on ne mettra pas de mots. Non, Oui, voilà. je suis d'accord avec vous, capitaine d'Artagnan, aurifère, c'est à ça que j'avais pensé moi aussi pour Aurum. Mais bon, finalement, aurifère, hein, c'est qui porte de l'or, qui contient de l'or. Et c'est vrai que bah, si on ne connaît pas le latin, bah, tout de suite, bah, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'on fait finalement le choix de le laisser dans le vocabulaire, parce que comme ça, on explicite le sens plutôt que de rajouter un mot que les gens connaîtront pas. Et mirabilium dans le vocabulaire, je sais pas, je suis pas sûr parce que finalement, mirabile, admirable, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez transparent par rapport au français. Qu'est-ce que vous en pensez, Clara et Dorian? Je trouve que le point positif à l'indiquer plutôt dans le vocabulaire, ce serait effectivement de dire que c'est mirabilis et.
et que ce n'est pas Ouais. mirabilis comme on pourrait éventuellement le croire à première lecture. Enfin, quelqu'un qui lit comme ça, Donc pensait ce que c'était serait une plus question. un problème finalement de repérage de déclinaison. Oui, pour indiquer la classe de cet adjectif. Dans ce cas-là, on l'indique, mais on ne met pas ce que ça veut dire alors. Ou on met ce que ça veut dire. Ben, si on met dans le vocabulaire, on indique, sont admirables, somptueux, merveilleux, ou soit on le met dans l'étymologie en donnant juste admirable. Je sais pas quoi vous dire. Si j'étais avec des étudiants, moi j'indiquerais la forme, mais je mettrais pas ce que ça veut dire. Mais je suis pas avec des étudiants. On est en train de faire un bouquin pédagogique. Donc, ouais, dans vocabulaire, allez. Donc, vous mettez quoi? Somptueux, merveilleux? Merveilleux aussi. Oui, on peut, hein. Bon, allez, ça marche. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, que filia est féminin. Donc, on peut peut-être le mettre dans l'étymologie. Donc, fille, ok. Quoi d'autre? C'est tout. Filiation, aucun Oui, rapport. filiation, filiale. Très bien. Parce que de toute façon, sinon, on se retrouve sans indication de vocabulaire sur cette phrase. Donc, bon, on aura au moins ça. Après, si on n'indique pas, si, quand même. Bon, je pense que ça va. Non, on n'indique pas 13. Allez, ça marche. Clara, phrase 4. Alors, Elle disparaît, mais elle réapparaît, vous inquiétez pas. Oui, donc, je suis d'accord avec vous, capitaine d'Artagnan. Filiale, ça marche aussi, hein. Alors, allez-y, Clara. le verbe féro, je pense que c'est important de le mettre. Alors, peut-être dans. Ben, je sais pas, parce que le sipin a donné plein de choses en latin, mais. En français, pardon, en étymologie, mais après, c'est bien aussi de le mettre en vocabulaire. Je pense qu'on peut peut-être faire étymologie, non? Parce que c'est vrai que tout à l'heure on a vu aurifère, mais il y a plein de mots avec fer, somnifère, conifère, tous les mots en fer. Donc moi je trouve que c'est pas mal de l'avoir dans l'étymologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc ferro, fer, sferré, tuli, latum. Un beau verbe irrégulier. Alors qu'est-ce qu'on met? Ce que vous avez indiqué, conifère, aurifère, enfin, en soulignant peut-être la Ouais, en partie soulignant le fer. mauvaise. Très bien. Il y a Lucifer aussi, si vous voulez. Lucifer, celui qui apporte la lumière. ER, hein, d'Orient, Lucifer. J'ai un doute, Lucie. D'accord, oui. C'est un anglicisme? Ou C'est un c'est. anglicisme. Je ne sais pas. Je suis pas en capacité de vous répondre, mais je ne suis pas persuadé. Je pense que c'est la nominalisation par mimétisme avec d'autres prénoms qui se finiraient en ER. Oui, non, enfin, je ne sais pas. Peut-être que je raconte n'importe Oui, non, quoi. d'accord, Hein. c'est bien ça, c'est un prénom, c'est pas un nom commun. Ah non, on est d'accord, c'est un prénom. D'accord, j'étais pas sûr, comme je me disais peut-être que c'est employé comme nom commun, mais j'étais pas, je connaissais pas. Non, 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 non. C'est bien le prénom, hein. C'est bien le prénom. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un anglicisme. Moi, je suis en train de vérifier en même temps. Et c'est même donc lux, lumière et ferré, c'est le fait de porter. Et finalement, chez les Romains, Lucifer, ça désigne, enfin, c'est Ah, une mais oui, personnification de Vénus en tant que porteuse de lumière, avant de devenir évidemment une espèce de simulacre démoniaque avec
Alors, je sais pas si, je suis pas sûr que ce soit encore le cas dans la, que ce soit déjà le cas dans la Bible, Lucifer, Satan, je pense que c'est une invention médiévale, mais en tout cas, vous savez, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Lucifer aussi. Et Voilà. en plus, Lucifer est dans Gafio, c'est un mot latin. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je vous dis, D'accord. c'est une Oui. personnification de Vénus. La porteuse d'astres au petit matin. Alors, on a eu plein de propositions pendant que je vous racontais mes affaires de Lucifer, là. Donc, on a eu référé, déféré, tout à fait, conféré, préféré aussi, je suis d'accord. On a eu fourquifère. Alors, ça, je ne connais pas, mais je vais vérifier. Alors, furcifère, donc, c'est une catégorie de reptiles. Eh bien, très bien. On apprend des mots, c'est génial. Et alors, finalement, ce mot-là, fourquifère, donc, fer, je comprends, mais donc, fourque, ça doit certainement venir d'un mot latin. Fourca, Alors. la fourche, Ah bah instrument oui, forcément, vu que de. c'est des reptiles, très bien, et donc qui portent la fourche, donc par rapport à la langue fourchue. Ok, super. Bon, bah c'est bien, peut-être qu'on peut s'arrêter là sur les propositions. Après, sinon, on fait tout le dictionnaire, c'est toujours le problème avec le verbe féro. Alors, Clara, vous faites d'autres pairages? Novo. Le verbe nouveau. Oui, alors, donc, nosco, en fait, Oh. hein, Et et là, nourri au on est au parfait. parfait. Voilà, tout à fait. Alors, peut-être dans vocabulaire? Donc, nosco, noscis, noscere, notum. Et donc, connaître, on simplifie, Dorian, parce qu'on pouvait, le sens de base, c'est apprendre à connaître, mais de fait, connaître. Au parfait. Oui. Ça vous va comme ça, Dorian? Ça pourrait peut-être porter à croire que nosco signifie en lui-même connaître, alors que finalement c'est nosco c'est Oui, apprendre. alors que c'est noui qui veut dire connaître parce que nosco veut dire apprendre à connaître. Et donc noui, c'est je connais parce que j'ai appris à connaître. Je comprends. Alors, dans ce cas-là, vous mettez apprendre à connaître, point virgule, connaître. Ça vous va? Oui, d'accord. Donc, noverunt abet sensum temporis praesenti, dicam noverant. Ah, dans la. Donc, on a une proposition. Mais les anciens ne connaissaient que le nom de la plus jeune. Vous comprenez, comme moi, Dorian, on a Oui. une proposition pour modifier noverunt en noverant. Mais de toute façon, je crois qu'on avait débattu de cette question quand on avait Et fait le live, non? c'est ce que j'étais en train de me dire, savoir si on mettait du parfait ou du plus que parfait. Ou même si on mettait du présent. Je crois que quelqu'un proposait qu'on l'ait juste au présent, mais les anciens ne connaissent une sorte de présent général. De toute façon, je vais Enfin, résoudre la pour question assez présent. rapidement. C'est que, de toute façon, noverunt, nowi veut dire connaître. Donc, si les anciens connaissent, c'est qu'ils ont connu. Donc, dans un sens ou dans un autre, je pense que noverunt ou noverant se valent. Donc, la question, c'est le sens qu'on donne, nous, quand on traduit, à savoir, est-ce que dans notre traduction, on laisse ne connaissait ou est-ce qu'on ne modifierait pas plutôt en ne connaisse pour être cohérent? Donc je pense qu'on va laisser noverunt et qu'on va écrire, mais les anciens ne connaissent, et comme ça on est cohérent avec effectivement le fait que noverunt veut dire connaître avec un sens présent. Vous avez tout à fait raison, Valentinus, dans votre suggestion. Ça nous semble bien comme ça? Ouais, ok. Alors donc, on a fait Nosco. Est-ce qu'on indique autre chose dans cette phrase? Est-ce qu'on s'arrête là? J'avais pensé à Natus, Vous aviez pensé à Natus Clara. Ça peut être l'occasion d'un petit point étymologique. mais.
Ok, bah si vous voulez, ça vous va, Dorian? Oui. Bon, eh ben allez, on fait ça. Donc, à quoi on pense comme mots qui viennent de là? Natif, naissance. Ouais, très bien. Ok. Natal. Natal, natalité. Bon, après, on a déjà indiqué natal, donc on n'a pas besoin de tout indiquer non plus. Très bien. D'autres suggestions? Dorian, je pense que vous allez enlever votre S à Natus. On Et. laisse la question que je me posais parce que je regardais le gafio justement, si on mettait natus aum, natus us masculin, parce que là dans le gafio, pour l'ablatif, il y a une entrée natu par la naissance et il le prend de natus Ouais, mais c'est. Je pense que c'est une forme inusitée, Natus Us. Je pense qu'on ne le trouve oui. pas, en fait. Je pense qu'il n'y a que Natu qui existe. Donc, on peut. À la limite, on peut mettre Natu entre parenthèses, ablatif de l'inusité, Natus Us masculin. Et sachant que c'est quand même une forme reconstituée. Peut-être qu'on peut mettre une petite astérisque devant, vous savez, comme on fait quand on donne des racines indo-européennes, mais dont on n'a aucune trace. Parce que bah, c'est quand même une forme reconstituée qu'on ne trouve pas dans les textes. Voilà, je pense que c'est pas mal. Juste, vous ferez gaffe, Dorian, vous avez mis 2 points, et en fait, il faut que vous mettiez la petite flèche. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Dorian. Ok, donc on a indiqué Natou. Alors, capitaine d'Artagnan, nous avez proposé nativité, natalité. Dorian, je vois que vous avez déjà réagi en rajoutant. Merci. Est-ce que peut-être qu'on s'arrête là pour la phrase 4 et on passe à la 5? Ouais. Allez, on passe à la 5. Clara, on vous écoute. Oui, Mayor, le comparatif. Oui, bah, si vous C'est à voulez, le moi. comparatif de Voilà. Magnus. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça nous fait faire un peu d'étymologie. Oui, voilà, dans ce sens-là, c'est mieux, effectivement. Maior, maius. Et donc, vous pensez à quoi? Oui, voilà, Oui, majeur, majeur. majorité. Très bien. Majuscule. Majoration. Majoration, ouais, effectivement. Alors après, ça dépend dans quel sens. Majoration d'impôts ou majoration de salaire? Moi, je préfère le deuxième, mais c'est rarement le cas. Donc, majoresse, très bien. D'autres suggestions, Clara? Duco, le verbe. Si vous voulez, mais peut-être qu'on peut faire Sénès avant. Oui, d'accord. C'est next. Mmh. On le met dans étymologie, non? Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête pour Sénex dans C'est l'étymologie? naissance. C'est Oui. naissance. C'est naissance. Mmh. On a sénile Oui, aussi. c'est C'est vrai. moins cool, mais. Je ne sais pas si j'en ai forcément d'autres en tête pour Sénex. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc, pour Doux Errant, vous disiez donc Duco, Clara. En fait, ce qu'il faudrait. Oui, capitaine d'Artagnan, vous avez vu, nous a mis sénile, sénilité, sénescence. Il y avait exactement la même proposition que Clara sur sénescence. Bon, après, pour sénile, sénilité. Oui, alors. Oui, senior. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et le Sénat? Le Sénat, tout à fait, bah oui, évidemment. Est-ce qu'on rajouterait pas aussi que ça vient de Sénèque aussi? Ah bah oui, si vous voulez. Senior. Et du coup, Sénèque, Dorian. Bah alors, quelle explication étymologique, c'est bien?
Et donc, oui, ce que j'allais dire, c'est que pour Duco, peut-être qu'il serait pertinent de le mettre dans le vocabulaire parce que on est dans un sens quand même assez particulier de Duco, Oui. puisque là, on est dans le sens épousé. Donc, en fait, il faut qu'on, alors, il faut qu'on mette accusatif de la personne plus Duco iserré, Duxi Ductum, deux points, épouser quelqu'un. Voilà, plus accusatif de la personne. Très bien. Là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on passe à la phrase 6. Alors, la phrase 6. Natua utem minimam filiam multitudo procorum, qui illam ad ducendam extremis et finibus peniebant petebat. Ah oui, celle-là, je me souviens, on avait galéré pour l'écrire. On avait beaucoup débattu. Alors, Clara, des repérages. Si Procorum. Ouais, je pense que les prétendants, il va falloir qu'on les indique. Je suis d'accord. Peut-être dans vocabulaire, hein. Enfin, je dis ça alors que Dorian est déjà en train de taper, donc en fait, j'invente pas l'eau chaude, mais oui. Donc le procus proqui masculin, hein, le prétendant, celui qui cherche à prendre une femme en mariage. Très bien. D'autres suggestions? Péto. Oui, alors attendez 2 secondes, Clara, c'est que je regarde dans le vocabulaire. Oui. Valentinus nous dit dicam tantum uxorem ducere, donc j'écrirai seulement uxorem ducere. Ben, alors je suis d'accord avec vous, Valentinus, mais en fait, là, vu qu'on est dans le sens inverse, c'est-à-dire épouser des rois, si on met uxorem, eh ben enfin, c'est, on n'est plus dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Enfin, je m'exprime mal, mais nous, on n'a pas choisi uxorem, on a choisi reges. Donc, on ne peut pas mettre uxorem. À part si vous êtes en train de dire, on peut seulement dire épouser avec uxorem ducere, mais en fait, l'expression, elle s'adapte. Et là, ça ne me pose pas de problème particulier de l'adapter avec reges. Sachant que ce sont deux jeunes filles plutôt aisées et qu'on est dans un univers. Ah, c'est ça. Donc c'est. Vous trouvez que ça fait pas latin que globalement ce soit une fille qui épouse un homme. Ok. Oui, mais bon, on est dans un univers de contes et puis après on est aussi en train finalement de reproduire. Alors oui, c'est vrai que ce sont les rois qui ont très clairement fait la cour, et donc du coup, on n'est pas dans un état d'esprit. Je sais que je suis pas très clair, mais c'est que je suis en train de réfléchir en même temps, hein. Ce sont les rois qui ont fait la cour, et ce sont les deux jeunes filles qui ont donné leur accord. Mais dans la mesure où on est quand même du point de vue de la province, des jeunes filles et des parents qui consentent à ce mariage, qui sont eux-mêmes aisés et importants dans la province, ça me choque pas qu'on le dise dans ce sens-là. Et puis, bon, on est certes là pour être dans des réalités latines, mais pourquoi on permettrait pas, nous, avec notre libre arbitre d'auteur, de faire en sorte que ce soit des jeunes filles qui prennent librement pour époux des vieux rois? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je déraille complètement Dorian, par exemple? Ben à ce moment-là, il faudrait le tourner au passif. Et les deux aînés avaient déjà été épousés par des vieux rois. Et Capitaine d'Artagnan nous dit nous bérer fonctionnerait mieux. Mais je me souviens de toute façon qu'on avait pas mal discuté au sujet de cette phrase quand on l'avait écrite. Alors, votre proposition est les deux aînés avaient déjà été épousés par des vieux rois. Ou alors il suffit juste d'inverser la phrase, hein, faut juste dire et des vieux rois avaient déjà épousé les deux aînés pour être dans une réalité plus latine. Ah, sinon, il y a Nubere aliqui, prendre le voile du mariage, c'est Capitaine Attenant qui propose. Et Valentinus En parlant de propose la fameuse. Matrimonio Dari. Bon, alors je vois que ma suggestion de transformation du conte d'Apulée revue à la sauce MeToo, ça marche pas. Bon, pas de souci, on reste dans des réalités latines. Alors, je vérifie ce que vous me dites pour Nubere aliqui.
Je suis pas complètement opposé, mais j'aimais bien l'idée de l'expression doukéré plus accusatif de la personne quand même, parce que c'est une expression qu'on retrouve assez souvent. Bon, effectivement, c'est vrai que nous béréalicouis, on le trouve souvent aussi, hein. Après, si on choisit de garder comme on a déjà écrit, on a juste finalement à inverser, ouais, à mettre Regues comme sujet et à mettre Duas Maiores à l'accusatif. Hein. Est-ce qu'on ferait pas ça? Oui, regardez ce qu'on nous propose. Atqui Duas Maiores, Iam, Senes, Regues, Duxerand, ça fonctionne. Donc je pense qu'on fait ça, Dorian, non? Et des vieux rois avaient déjà épousé les deux aînés. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans des réalités plus latines. Bon, d'accord, ok. Donc, est-ce que on peut repasser à la phrase 6? Et Valentinus, j'ai bien lu toutes vos propositions. Hein. J'ai pas tout lu à haute voix, mais enfin, vous aviez des propositions tout à fait intéressantes. Alors, donc Procus le prétendant, on en a parlé. Alors là, pour le coup, on n'aura pas notre problème sur Doukéré parce que c'était bien épouser une jeune fille. Mais je vous en prie, Valentinus. D'autres mots à relever, Clara? J'avais pensé à Wenyo, le verbe. Oui, alors dans l'étymologie? Oui. Et alors vous aviez quoi en tête? Donc, venir, un avenant. Ouais. Après, est-ce que c'est quand même pas un mot de base? Oui, si, c'est vrai. Je me dis qu'on peut peut-être le laisser. Par contre, peut-être que finis, on peut, enfin finibus, on peut peut-être l'indiquer, non? Donc, Peut-être dans vocabulaire. ouais. Masculin ou féminin? Eh bien, j'ai envie de me poser la même question. Je pense que c'est masculin, mais je vérifie si vous voulez. Masculin, quelquefois féminin, c'est ce que ouais. J'avais un doute. Bon. Donc le territoire, les terres, très bien. Vous avez vu dans le chat, il y a Valentinus et Capitaine d'Artagnan qui sont en train d'échanger des amabilités. Peut-être se connaissent-ils d'ailleurs, ils nous le diront. C'est aussi les frontières. Oui, c'est aussi les frontières, Ah. effectivement. En fait, c'est d'abord la frontière et par extension le Mmh, territoire. c'est Hein. ça. Mais oui, voilà. Et pétéré, on l'indique ou c'est du vocabulaire de base? Ah, j'aime bien la proposition de Valentinus. Oui, je ne comprends pas. Enfin, Mais alors, c'est où est-ce qu'on mettrait à ça? la place de extremis Ah, d'accord, ok. finibus. Utiliser la lecture. Oui, alors je vérifie exactement ce qu'en dit Gaffio. Hein. À grande distance éloignée. Des lieux éloignés. Ben, oui, enfin, on pourrait, mais on peut garder ce qu'on a écrit aussi. Enfin, je veux dire, je vois pas de raison impérieuse de modifier ce qu'on a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorian? La proposition Non, de mais tout. Valentinos, elle m'a parlé davantage. Enfin, quand... Ben, en fait, si on mettait Elanguinquo, on le laisserait pas comme ça. Hein. On rajouterait avec finis à l'ablatif.
D'accord. Donc en fait, on écrirait et longinquis finibus, par exemple. Pourquoi? Parce que là, comme le dit Capitaine d'Artagnan, dans le Gaffieux, alors c'est chez Pline et Tacite, mais ça signifie de loin. Venez de loin, venez d'une contrée lointaine. Oui, mais justement, le... Ah, dans ce sens-là, moi j'ai ex longinquo pour chez Pline et Tacite. Bah, et, ah bah oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué. Ok. Parce que et extremis finibus, enfin ex extremis finibus, on l'a aussi dans les textes. Hein. Je regarde la nuance de sens qui existe entre extremis et longinquus. Alors, oh. Ouais, effectivement, c'est dans ce sens-là, c'est plus courant avec longinquus qu'avec extremus. Ok. En revanche, alors la question c'est est-ce qu'on dit et longinquo ou est-ce qu'on dit longinquis et finibus? Dans la mesure où l'expression elinguo, enfin elanguinco est attestée ainsi, peut-être pas la peine de rajouter finis. Ok. Bon, alors on fait comme ça. Alors, donc, je reprends les commentaires en même temps. Hein. Donc, Capitaine d'Artagnan lui a répondu Elanguinquo de loin, mais seulement chez Pline et Tacite. Après, c'est quelque chose qui ne nous arrêtera pas, au risque de vous choquer, chers intervenants en ligne. On se limitera pas essentiellement à Cicéron. Si Pline et Tacite l'utilisent, moi ça me dérange pas, vu qu'on n'est pas là en train de faire un thème d'agrégation. Évidemment, si je faisais un thème d'agrégation, je l'utiliserais pas. Alors après, Valentinus nous dit que donc Dicamus et Longinquis imperii. Donc, mais alors je comprends pas votre construction. Des Valentinus, contrées les comment plus va lointaines de votre... l'Empire, je pense que c'est un neutre. Des contrées les plus lointaines de l'Empire. Ouais, mais alors là, on est quand même sur une espèce de substantivation de l'adjectif qui est un petit peu too much, je trouve. Après, je suis d'accord, je le vois moi aussi dans le Gaffio Longinqua Imperii, les parties éloignées de l'Empire, mais je veux bien qu'on le prenne avec Elonginquo, parce que là, on est sur une transformation adverbiale, donc ça me choque pas et ça existe dans un latin assez classique. Par contre, de là, à substantiver l'adjectif, je trouve que là, pour le coup, déjà, c'est pas très classique. Bon, certes, je vous ai dit, on se limitera pas au classique. Ok, je me mets face à mes propres contradictions, mais surtout pour le lecteur, c'est pas hyper transparent quand même. Et je pense que ce serait aller un peu trop loin que de prendre cette substantivation en compte. Alors que là, bon, on est sur une formation d'adverbe à partir d'un adjectif. C'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. C'est assez classique. Et Capitaine d'Artagnan nous dit, j'aimais bien extremis et finibus, ça faisait exotique. Ben oui, c'est ça, ça faisait vraiment les contrées lointaines, quoi. Ça faisait presque l'Orient, mais effectivement, on est sur quelque chose qui est plus latin avec Elanginquo. Alors, je propose qu'on accélère 2 secondes, comme ça on aura bien terminé le vocabulaire et l'étymologie aujourd'hui. Juste, Dorian, j'avais posé la question de savoir si Pétéré on l'indiquait, donc je prends ça pour une fin de non-recevoir et on n'invite pas Pétéré. Non, non, mais il n'y a pas de souci, moi je suis assez d'accord, hein, Pétéré, c'est quand même quelque chose qu'on apprend en général en cinquième, donc on peut passer à la phrase 7. Alors, illa enim omnes virgines quae nustatae superabat, quae parentes superbos beatosque faciebat. Alors, qu'est-ce qu'on indique, Clara? Peut-être super essai. Ouais, si vous voulez. Ah oui. Dans le vocabulaire. Oui, alors, sauf que, enfin, c'est pas ce verbe-là. Ben non, non, non. Oui.
C'est C'est pas super supero. essai, Clara. Non, pardon, c'est Oui. supero. Oui, tout à fait. J'étais en train de me dire, je vois mal, j'ai mal mis mes lunettes, mais non, 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 c'est bien supero, hein, qui est indiqué. Super essai, il ne serait pas formé comme ça. Hein. Donc c'est supero, supera, superare, superavi, superatum. Moi, je le mettrais dans l'étymologie, peut-être. Et du coup, on met bah, supérieur, par exemple. D'autres idées? Comme ça, supérieur, bon, supériorité, mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça, supérieur, supériorité, tous les mots qui ressemblent. Est-ce qu'on mettrait pas super boss, super boost? Je pensais à Winustas aussi. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Et ben alors, Winustas, on le met dans le dans l'étymologie? Ou on le met dans le vocabulaire? Peut-être plus vocabulaire. Plus vocabulaire. Ok, très bien. Et alors, on avait longuement cherché et on s'était questionné la dernière fois sur ce terme. Et il nous était apparu, ça avait été une suggestion de Florence Garambois, que c'était le mot le plus approprié parce que la winoustase, c'est une beauté physique. Mais surtout, il y a le rapport avec Vénus. Et on s'était dit que justement, elle volait à Vénus sa beauté et que c'était elle, Psyché, qui prenait possession de cette winoustase, de cette beauté caractéristique de Vénus. C'est pour ça qu'on avait choisi ce terme. Bon, après, on n'est pas en train de faire un commentaire de texte, vous me direz. Et est-ce que Superbos, on l'indique peut-être? Dans le vocabulaire? Ouais, dans le vocabulaire. On met super boost à Ah, et ok. on met fier, orgueilleux, parce que c'est il y a quand même une vraie notion d'orgueil avec super boost. Ça me semble donc assez important de l'indiquer. Je pense donc que on a fait le tour des mots à indiquer. Nos auditeurs actifs et participatifs que nous remercions beaucoup, hein, c'est un plaisir d'avoir vos remarques et de pouvoir échanger avec vous. N'ont pas l'air de nous suggérer d'autres ajouts et je vois en même temps qu'il est l'heure et que la session prend fin. Donc on en a fait un petit peu moins que ce qu'on avait prévu, mais après c'est pas très grave parce que ça a été l'occasion de faire quelques petites révisions de texte et de découvrir aussi un peu de vocabulaire. Donc la prochaine fois, eh ben, on essaiera de faire le point de grammaire et le point enrichissement avec une réflexion sur la civilisation. Donc, eh ben, je vous propose pour la prochaine fois qu'on réfléchisse tous au point de... il n'y en aura qu'un, hein, au point de grammaire qu'on aimerait indiquer. Capitaine D'Artagnan nous demande si on est sûr de ne pas vouloir mettre péto. Eh ben, je propose qu'on en reparle la prochaine fois. On réfléchit et la prochaine fois, peut-être qu'on rajoutera pétéré. Et donc, la prochaine fois, eh ben, la semaine prochaine, mardi prochain, alors on sera le combien? 8 et 7, 15. Le 15 octobre à 14h. Bah, d'ici là, bonne continuation à toutes et à tous. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et bah, on espère vous retrouver la prochaine fois aussi actifs, aussi impliqués. Et nous vous disons donc à mardi prochain. Au revoir.